Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un haul action. Donc je vais vous présenter différentes choses que j'ai achetées. Donc je vais commencer par tout ce qui est bricolage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai acheté une bombe noire comme ceci. C'est du noir brillant avec gloss, c'est marqué. Ça a 2,19 €. Ensuite, j'ai acheté du vernis. Donc comme ça fixera bien la peinture et ça la protégera. J'ai acheté une éponge comme ça pour poncer. Donc j'en ai pas, j'ai du papier de verre mais c'est moins pratique. Donc voilà, toujours au rayon bricolage. Ensuite, on va passer dans la catégorie cosmétique. Donc comme j'ai du violet et... C'est très joli, mais je commence à saturer. J'ai pris un espèce de prune châtain foncé, comme ceci. J'ai acheté un vase, tout simple, où je vais coller des perles, comme ça se fait dans les boutiques de décoration. Et ensuite, je vais le repeindre, mais ou métallisé ou noir. Pour mon salon parce que la déco il y a beaucoup de noir de bois et tout donc voilà. Ensuite je passe à la partie loisirs créatifs. Donc ça peut être loisirs créatifs mais ça peut être manucure aussi pour ceux qui font des nail art, de la manucure et tout. Il y avait plusieurs sets, donc il y avait celui-ci. J'essaye de vous le montrer comme il faut. Voilà, avec plusieurs paillettes. Sais pas si vous voyez correctement. Voilà, je ne l'ai pas payé cher. Je vais voir si je trouve le ticket pour vous dire le prix. Alors, pardonnez-moi. Le set de paillettes est à 84 centimes. Donc, petite précision, vous avez ce set en blanc. Vous l'avez en rouge, vous l'avez en doré et vous l'avez en argenté. Voilà, ce sont les quatre couleurs qu'on peut trouver. La dernière fois, je l'ai pris en rouge parce que j'ai un amour pour la couleur rouge. Et là, j'ai pris en blanc parce que j'ai pas des paillettes blanches. Et quand je fais du noir et blanc, ben, j'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà. J'ai acheté également trois, comment dire, carnets à stickers. Donc comme ceci. Là, c'est des couleurs un peu flash, un peu holographique. Donc, je vous montre un ensemble, par exemple, comme ceci. Je trouve ça pas mal pour décorer des agendas. Si vous faites du bullet journal, ça peut être sympa. J'ai pris celui-ci avec des couleurs pastel. Et celui-ci, toujours dans les tons pastel, mais nude et un peu brillant, comme ceci. Donc, si vous les cherchez, c'est dans le rayon papeterie. Voilà. Je passe maintenant à la catégorie nourriture et boissons. Donc, j'espère que mon haul vous plaît vraiment. J'espère que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas sous la vidéo à marquer un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou non. Et si vous avez envie que je refasse des hauls. Voilà. Et quelle sorte de haul vous aimeriez que je fasse. Donc, voilà. On passe à l'eau de coco, comme ceci. Je pense que il doit y en avoir dans toutes les actions. Ensuite, bon, ça c'est connu, hein. Ce sont les boissons Arizona. Moi j'ai pris celle-là à la pastèque. Elle est trop trop bonne. Et j'ai pris celle-là à la mangue parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un gros amour pour tout ce qui est... boissons exotiques de type mangue, ananas, tout ça. Donc voilà, c'est top. Ensuite, ben, j'aime beaucoup les pop-corn et quand je fais une soirée ciné ou quand je regarde Netflix, quand je regarde des films, tout simplement, comme tout le monde, quand j'ai le temps. J'aime bien manger des pop-corn. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a 3 sachets de 100 grammes. Donc j'en ai encore à la maison, mais là, j'en ai aussi. 3 sachets, donc pas mal. Vous en avez en sucré, salé et au caramel beurre salé ou au caramel.
Donc, ça dépend ce qu'ils ont comme stock dans votre magasin. Et je termine avec des gâteaux que tout le monde peut trouver. C'est les Tranchetto, ou Tranchio, pardon. Mais ça ressemble beaucoup aux Tranchetto, c'est le même style. Voilà, ils sont vraiment pas chers et très bons. Donc, pour le petit-déj ou le goûter, c'est vraiment pas mal. Donc, j'espère que ce haul, encore une fois, il vous a plu. J'espère que vous aimez ma personnalité et mon style. Et j'espère que tout ce que je vous ai présenté, si ça vous intéresse de l'acheter, eh ben, vous allez tout simplement le trouver dans votre magasin. Pour les fans d'Action Addict, c'est vrai que c'est génial. C'est vrai que j'y vais souvent parce que le mien est vraiment à côté, donc j'en profite. Mais c'est vrai que aussi c'est le bazar. Je sais pas dans vos actions comment c'est, mais le mien, c'est catastrophique. Le action de Cabestany, c'est une horreur parce que les gens ne respectent pas le travail des personnes qui travaillent dans l'action, tout simplement. Ils s'amusent à prendre les objets, les déplacer dans un autre rayon. Il y a de tout partout. On dirait que même un chat pourrait pas trouver assez petit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les gens, ils ouvrent des parfums, ils cassent le petit bouton du psyte ou du spray, je sais pas comment on peut dire. C'est un peu agaçant, ma foi. Il y a plein de choses comme ça. Par contre, il y en a deux autres pour ceux qui sont de la région de Perpignan. Donc, il y en a un à Poyestre, un à Upia. Il y en a un à Clairat, mais on m'a dit que les deux plus catastrophiques, c'était Clairat et Cabestany. Parce que selon la population qu'il y a, il y a des individus qui font pas du tout attention au magasin. Alors que si vous allez à Poyestre ou Upia, vous pourrez même voir la couleur du sol, comment c'est beau, comment c'est bien rangé. Il y a toujours du stock et tout. Je pense que vous serez ravis d'y aller. Après, ne faites pas comme certaines personnes qui abandonnent les magasins Action pour d'autres magasins Action. Allez-y, même si c'est vrai que c'est le chaos technique là-bas. C'est vraiment le bazar. Mais voilà. Moi, j'aime bien y faire mes achats, j'y trouve toujours ce que je cherche, toujours ce que je veux, donc c'est pour ça que j'y retourne. Et même, vous avez le personnel qui est adorable, qui est toujours gentil, toujours prêt à vous renseigner. Bien sûr, il y a de tout, mais en général, c'est vrai que le personnel d'Action est adorable, toujours prêt à renseigner, toujours souriant. Font du bon boulot, donc n'hésitez pas à y aller. Ne délaissez pas ce magasin. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je suis une pipelette encore une fois. J'essaie de pas trop parler, mais c'est plus fort que moi. Des bisous et à plus.